Salam alaikum, Azulflaoun, bonsoir. Pourquoi, comment et par quelle sournoise perversion la plus prodigieuse victoire de l'homme sur son état premier, la politique et la gestion de sa cité, a-t-elle ainsi dégénéré en la plus noire des pratiques, le mensonge et la tromperie? Comment et pourquoi ce qui était censé être la plus accomplie, la plus belle des réalisations humaines, de la civilisation sur l'état de nature, s'est-elle inexorablement transformée en une monstrueuse et systématique mystification? Comment et qui, au sein des sociétés humaines, qui avaient réussi l'exploit de réfléchir sur leur état, d'organiser la vie de la cité, de la prémunir de tous les abus possibles, de la fonder sur un contrat social où nul ne peut s'accaparer les prérogatives de la collectivité. Comment et qui, au sein de ces sociétés, n'a laissé de cette prometteuse ébauche démocratique que des mots vides de sens? Comment, sous des dehors convenus et à l'ombre de principes vides de sens, comme autant d'oripeaux trompeurs, la politique en est-elle devenue une pratique de grands prédateurs? Comment a-t-elle pu se transformer en une jungle implacable où s'affrontent les grands fauves, où les plus faibles ne servent plus que de garde-manger? La gouvernance des sociétés humaines n'est plus qu'un indescriptible fouillis de lois et de principes en tout genre, où l'adresse et l'habileté consistent désormais à trouver la ruse pour les violer. De machiavéliques procédés sont désormais devenus le nec plus ultra de l'exercice politique. Le mensonge y est consacré comme la plus aboutie, comme le plus abouti du savoir-faire politique. Partout et sous toutes les latitudes, autant dans les démocraties relativement les plus accomplies, aux dictatures les plus sommaires, le mensonge politique est devenu l'alpha et l'oméga de la chose publique. C'est de cette question, le mensonge en politique, que nous discuterons dans le Temascan d'aujourd'hui. Nous tenterons de comprendre comment la politique a ainsi dégénéré, comment elle est devenue ce cloaque où fourmille un monde interlope dont les codes et les complets cravates cherchent à donner une façade d'honorabilité, mais qui en réalité n'est qu'un marécage où frais et s'affrontent les pires nuisibles de leurs sociétés respectives. J'ai le plaisir pour en parler d'avoir ici avec moi aujourd'hui Brahim Younsi, ancien cadre du MDA de 82 à 88, analyste politique. Brahim Younsi, merci d'être avec nous. Merci de m'inviter une nouvelle fois. Je vous salue. Merci beaucoup. Et je salue les téléspectateurs. J'espère qu'ils vont passer un moment d'apprentissage avec nous ce soir. Et nous aussi avec eux. J'espère. Idir Nouren qui est avec nous, analyste politique. Idir Nouren, merci d'être avec nous. Merci de m'accueillir encore une fois. Je salue mon ami Brahim et mon jeune ami prometteur Karim en espérant passer de bons moments avec vous. Merci. Donc, je salue mes amis. Évidemment. Ah. Karim Naitou Slimane, donc annoncé par Idir. Et d'être très poli. Oui. Comme oui. Toujours. Merci Karim d'être avec nous. Merci Kamaldine, merci de l'invitation. Merci aussi à vos invités, qui sont aussi nos amis, d'Abrahim et d'Aïdir. Un grand salut aux téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent depuis l'Algérie ou d'ailleurs. Très bien. Alors, nous tenterons, après, dans la mesure du temps imparti à cette émission, de disséquer les divers types de mensonges,
en politique, depuis la basse propagande jusqu'à la désinformation, conditionnement subliminal des foules, etc. Et en fin d'émission, de la deuxième partie, nous essaierons de parler d'un phénomène très nouveau en Algérie, où pourtant le mensonge est chez lui, dans ce pays, mais un phénomène nouveau qui vient d'apparaître et dont personne ne parle puisque c'est un tabou. Je n'en dis pas plus, nous en reparlerons tout à l'heure. Alors, messieurs, d'abord un tour de micro sur le mensonge en politique. Une approche philosophique, si on pourra se le permettre. Par quoi se justifie le mensonge en politique? S'est-il doté de règles, de limites? Comment s'accommode-t-il de la morale, de la vertu et de l'éthique censée régir la pratique politique? Alors, Brahim Younsi, le mensonge politique, d'où il nous vient? Comment il s'est imposé? Oui, le mensonge ne se situe pas qu'en politique. Tout le monde ment. Tout le monde. Si vous regardez, par exemple, les réseaux sociaux aujourd'hui, les gens mentent. C'est très vrai. Les gens mentent. Et ils mentent en ne donnant pas leur véritable identité. Déjà, ils prennent des pseudos. Or, le quoi, mot... pour tromper Peut-être pas pour tromper, en tout cas, pour se permettre de dire certaines choses. Ils se cachent. Et ça, c'est un mensonge. Parce que le pseudo, c'est le mot grec du mensonge. C'est le mensonge en grec. D'accord. Pseudo, ça veut dire mensonge. C'est le mensonge en grec. D'accord. Vous nous apprenez de bien belles. Voilà. Et le mensonge était aussi, y compris dans les religions. Certains prophètes ont menti. Mais commençons par le commencement du mensonge, la création. Et le péché, ou ce que les chrétiens appellent le péché originel. Enfin, les chrétiens. Et ça, c'est un de nos compatriotes qui a créé la notion de péché originel. C'est saint Augustin. Ah, c'est lui qui a parlé du péché originel. Parlé du péché originel. La tentation d'Adam. Voilà, ouais. La tentation d'Adam. D'accord. Donc, certains auteurs disent que les animaux ne mentent pas. Or, le diable qui a tenté Adam et Ève était représenté par le serpent. Le serpent. Oui. Ça veut dire que le serpent, un animal, a menti. L'animal ment à partir du moment où il ruse. Soit pour échapper à ses prédateurs, soit pour attraper ses proies. Mais vous avez beaucoup d'auteurs qui disent que les animaux ne mentent pas. Or, nous savons que, en tout cas, le mensonge est consubstantiel à l'homme. Chez les chrétiens, le mensonge est donc originel. C'est l'origine du monde. Chez les musulmans et les juifs, ils ne portent pas le péché originel. Parce que pour eux, c'est l'acte, c'est nos actes humains qui comptent. Et il y a le libre arbitre. Et je vais vous rappeler Abraham, par exemple. Ibrahim Khalil a menti. D'accord. Il a menti parce que à Canaan, qui était son territoire, il y avait la famine. Et Dieu avait une épouse qui était extrêmement belle, Sarah. Et Sarah était sa demi-sœur. Demi-sœur d'Abraham? Oui. D'accord. Une sœur par son père. Donc il a, disons, à moitié menti. Ils allaient en Égypte parce qu'il y avait la famine à Canaan. Et en Égypte, il avait peur qu'on le tue parce que pour lui prendre son épouse. Et il a demandé à Sarah, il a fait mentir Sarah aussi, même si elle était sa demi-sœur. Mais d'abord, c'était son époux. Il lui dit, dis-leur à la frontière que je suis ton frère. Donc il a menti. Mais à moitié. À moitié, mais c'est à moitié. C'est un mensonge à moitié, mais c'est un mensonge. Oui. Chez nous, en islam, à la bataille de, pour dire dans la terminologie française, la bataille de Siffin, la bataille de Safin, entre Ma'ali et Mu'awiyah, il y a eu un mensonge. Un mensonge de Amr ibn As, avec l'assentiment de Mu'awiyah. Mais là, ce n'est pas très étonnant.
Bon. Mais c'est un mensonge dans un milieu religieux. Et en littérature, le mensonge est présent partout. Et vous avez de grands philosophes qui ont écrit aussi sur le mensonge. Il y a une polémique. Mais en politique, Brahim Younsi, est-ce que ce que vous êtes en train de nous dire, c'est à la limite des mensonges quasiment pour légitime défense, comme c'est le cas d'Abraham ou... Mais en politique, le mensonge, est-ce que les politiciens qui recourent au mensonge n'invoquent-ils pas eux aussi ce prétexte de quelque chose qui contraint, il faut bien le faire, c'est une exigence de la politique, c'est pour garder le pouvoir, pour le prendre. C'est néanmoins une tromperie. Oui. Et ça, c'est interdit. On ne trompe pas. Et il y a eu... Interdit par rapport il y a à une quoi polémique. À une éthique politique. Bien sûr, à l'éthique, à la morale, à la religion, etc. Bien sûr, absolument. Et il y a eu une polémique célèbre entre deux grands philosophes. Un français et l'autre allemand, Benjamin Constant et Kant. Benjamin Constant avait écrit un livre qu'il a appelé « Le droit de mentir ». D'accord. Et Kant a écrit « Contre le droit de mentir ». Intéressant. Invoquant l'éthique, la morale, etc. Parce que mentir, c'est tromper. Les autres. Vous avez d'autres grands philosophes qui ont traité du mensonge. Heidegger, Nietzsche, oui, absolument. Yankelevitch, Anna Arendt, etc. Ont tous écrit. Et Arendt, elle a essayé de moraliser la politique et de la débarrasser de ce mensonge, justement. Et donc, la littérature également. Dans la littérature, le mensonge est présent partout. Chez Molière. Oui. Chez Molière, avec Roméo et Juliette, avec Don Juan, avec les fourberies de Scapin. Oui. Vous avez Shakespeare, avec Macbeth, notamment, avec le Roi Lear, et plein de Marivaux, Montaigne. Tous ont travaillé sur la question du mensonge. Et nous avons bien sûr Flaubert, pour citer un des, j'allais dire, de nos contemporains, avec Madame Bovary. Le mensonge est partout. Idée. Ben, je crois que Brahim a assez bien résumé de manière philosophique dans son approche. Ce qu'il faudra peut-être dire, c'est qu'au niveau du mensonge, il y a des stratégies de mensonge pour des étapes. Lors de la conquête du pouvoir, donc la conquête du pouvoir. La deuxième, c'est comment se maintenir au pouvoir. Et la troisième, c'est comment finalement utiliser le mensonge pour disqualifier tous les autres. C'est le mensonge politique en règle générale. En fait, c'est le mensonge de A à Z. C'est le mensonge de A à Z. À la question... Pardon. C'est comme Svantot. C'est comme M. Svantot. Allah rahmou sali. C'était... L'immobilier de A à Z. Et le mensonge, c'est... Les politiciens, c'est le mensonge de A à Z. Exactement. Prendre le pouvoir, se maintenir au pouvoir, empêcher les autres de prendre d'accéder au pouvoir. De A à Z. Je crois qu'on a un peu résumé les choses. Mais parallèlement à ça, je crois, Brahim l'a suggéré il y a un petit moment, c'est que le mensonge est consubstantiel aux politiques. On ne peut pas faire de la politique, je vais le dire brutalement, sans une dose de cynisme, sans une propension à mentir, quitte à faire passer ce mensonge, le concept qu'Alim et Brahim savent ce que c'est, le mentir vrai, le mentir vrai. C'est toutes ces questions. Vous justifiez le recours au mensonge par le politique. Je ne parle pas de tous les hommes politiques. Évidemment, la vertu doit être partagée par l'ensemble d'un certain nombre de valeurs. Brahim les a évoquées, je pense qu'Arim les évoquera un peu plus tard. L'histoire de l'éthique, de la morale, de la vertu, en étant dans un écosystème vertueux, à la fois l'État, etc. Je voudrais juste, parce que j'ai retrouvé une petite citation de Nietzsche que j'aimerais... il dit, c'est la phrase la plus grande de Nietzsche sur le mensonge. « L'État est le plus froid des monstres froids. Oui. Il ment froidement, et voilà... Le mensonge qui s'échappe de sa bouche. Moi, l'État, je suis le peuple. À l'inverse de Louis XIV qui a dit l'État, c'est moi. Donc c'est à peu près pareil dans des époques différentes. Maintenant, il n'y a pas beaucoup d'élus pour exercer le pouvoir. Il n'y en a pas beaucoup. Quand vous prenez sur l'histoire d'un siècle d'un pays, il y en a peut-être 5-6.
Et ces hommes politiques, sinon pas une dose de cynisme, une mentalité de tueur, une mentalité de stratégie de prise de pouvoir, en tenant compte de tout ce qui va avec, c'est-à-dire ce qu'on communément appelle aujourd'hui les boules puantes, attaquer la moralité de ses adversaires, tout ça non seulement se base sur des mensonges, mais se base, parce que sont tous atteints, même M. Macron atteint du syndrome du bris, qui les rendent mégalomanes et qui les rendent déconnectés. Et ensuite, il y a tous les réseaux qui viennent derrière. Ils convoquent les réseaux religieux, ils convoquent les réseaux, les cathos, particulièrement en France, les réseaux culturels, les réseaux économiques, les réseaux financiers. Comment voulez-vous qu'à partir du moment où des forces, il y a des forces occultes aussi, qui sont dans l'état profond, qui vous portent, même si vous êtes en démocratie. Donc fatalement, le mensonge est je pense, est une donnée qu'il faut à tout prix intégrer pour celui qui veut exercer un destin national, et ça va du poste de député jusqu'à... Alors, avant de donner la parole à Karim, nous allons écouter un petit extrait sur Machiavel, qui nous parle de la politique, du mensonge. Et je vous donne la parole. Le Prince reste un livre assez brutal. Il t'explique que la politique ne peut pas se baser sur des valeurs morales. Tu ne peux pas être une bonne personne et un bon politicien, ou un bon prince, un gouvernant. Celui qui gouverne doit être réaliste et se baser sur les faits qui se présentent devant lui. S'il veut garder le pouvoir, il ne peut pas être vertueux. Il doit passer par tous les moyens à sa disposition pour ne pas se faire renverser, quitte à agir comme le pire des tyrans. La fin justifie les moyens. Il envisage la société à base de dominants-dominés. On en vient à une des citations de Machiavel les plus controversées. Qui se fonde sur le peuple, se fonde sur la boue. Au premier abord, on se dirait que Machiavel est un connard élitiste qui traite les pauvres de bouseux. Pas du tout. Quand il dit que le peuple c'est la boue, il fait référence à l'instabilité de cette dernière. Le peuple est opportuniste et tumultueux, et si le prince ne le contrôle pas, le peuple causera sa chute. Il doit imaginer un système dans lequel le peuple a constamment besoin de lui. Ça implique de ne pas trop déléguer de pouvoir et de se faire obéir avec fermeté. Nous avons emprunté cet extrait à un youtubeur, je crois. Karim, c'est une fatalité, comme vient de le dire que l'être humain n'a pas d'autre choix que de recourir au mensonge pour prendre le pouvoir, pour le garder, pour empêcher les autres de le reprendre, ou comme le préconise Machiavel, que c'est comme ça, que c'est dans l'ordre des choses. Je pense que nous avons déjà assez parlé de la question d'un point de vue philosophique. Mais je pense que déjà, et d'ailleurs ça apparaît dès l'extrait de Machiavel, je pense que sur cette question, il faut déjà distinguer ce qui relève du philosophique et ce qui relève du politique. Ce qui relève du philosophique, comme vous l'avez tous si bien dit, est lié à la morale. Et le débat sur le mensonge en philosophie est forcément lié à la morale. Depuis Platon, par exemple, qui a parlé du... c'est un triptyque, c'est lié, c'est l'éternel débat sur... l'éternel débat moral sur le bien, le beau et le vrai. Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est mal? C'est une question purement morale. Qu'est-ce qui est aussi beau? Qu'est-ce qui est laid? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Si on parle de Platon, par exemple, on va partir de ce qui a fondé la métaphysique platonicienne, c'est-à-dire que, et d'ailleurs qui se retrouve, par exemple, dans la pensée islamique, d'une autre manière, mais c'est le prolongement de la même métaphysique, en tout cas, les principes, c'est-à-dire que partir du principe que le vrai est inatteignable, et qu'il existe sur une autre sphère. Que, par exemple, et donc nous, en tant qu'humains, on ne fait en réalité, nous sommes en quête, on se rapproche. C'est pour ça, par exemple, on parle, quand vous entendez des expressions, par exemple, cinéma, littérature, on parle de quête esthétique. La quête esthétique, c'est-à-dire l'artiste, c'est celui qui essaye de se rapprocher du beau. Hein. Mais le problème, lorsque c'est moral, c'est que c'est changeant. Regardez, par exemple, pour rester sur le beau, pour venir au vrai, sur le beau, par exemple, il y a des canons, voilà, ou d'autres. Et ça change. Oui. Le beau de l'époque, par exemple, le grec, quand on voit les statues,
Le nu. Voilà, le nu. Oui. C'est l'expression du beau, à un certain moment. Oui. Maintenant, quand on voit, par exemple, l'art moderne, oui. le cubisme, par exemple, oui. sans parler d'autres formes plus, pour moi, dégénérées, mais c'est un autre débat, en tout cas plus différentes de ce qu'a été la conception du beau à un certain moment, on voit que ça change. Et c'est pareil. Et c'est pareil aussi pour le bien et le mal. Pas forcément une évolution. Ça peut être une régression. Ça peut être une régression, c'est des changements. C'est-à-dire, en tout cas, c'est pas stable. Non, passer d'une époque à une autre. C'est une évolution. Voilà. Et c'est pareil. Je pense que tous les différents arts, excuse-moi, Kalima, s'inspirent et se nourrissent des uns et des autres. Mais juste pour te puisse terminer, je souhaiterais que si tu pouvais, quand tu as parlé de morale. Il y a le pendant à côté, c'est l'éthique. Oui, j'arrive. Bien sûr. Voilà. Ok, ça marche. Et c'est pareil aussi pour le bien, puisqu'on parle du bien et du mal. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Ce qui est bien pour les uns ne l'est pas forcément pour les autres. Hein, je vous donne un simple exemple pour partir vraiment de la base. Se toucher, se serrer la main, pour un Européen, se serrer la main, c'est bien. Pour un Maghrébin, serrer la main et toucher l'épaule, c'est encore mieux. Mais pour un Japonais, il ne faut pas serrer la main. Il ne faut pas serrer la main et encore moins se toucher. Ah, donc vous voyez, rien que sur ça, en partant de sphères géographiques différentes, on voit... Pour nous, c'est au moins 4 bises. Nous, c'est 4 bises et puis voilà... C'est... Même à Montpellier, ils font 4 bises. Et tirer le tapis juste après. Voilà, après c'est d'autres manières. Nous sommes très tactiles, mais aussi très... Chaque société a sa conception de la fourberie. C'est traîner et se donner un coup de poignard court. Oui. Et après, chez les autres aussi, parfois, ça peut être encore plus grave. En tout cas, pour dire que même sur la question du bien et du mal, c'est changeant. C'est variant selon les cultures, les religions. Les religions, c'est tout un débat philosophique sur ça. Et le débat en politique sur le mensonge, là, on arrive vers le vrai. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Pareil, c'est un débat parce que quelque chose est vrai par rapport à quelque chose. Et elle est fausse par rapport à quelque chose aussi qu'il faut déterminer. Il y a un mensonge objectif. Oui. C'est pas par rapport à quelque chose, ce n'est pas relatif. Mais j'y arrive. C'est pour tromper. Mais absolument. C'est pour tromper. Avec une volonté manifeste, élaborée de tromper. Pour tromper, ce n'est pas relatif. Et j'arrive. Hein, en politique, ce n'est pas, à mon avis, sous cette manière qu'il faut voir les choses. Oui, ça existe. Pourquoi j'ai parlé de ça d'abord? J'ai commencé par le volet philosophique. Parce que en politique, mis à part l'éthique, parce que nous, on doit chercher la fonctionnalité, la finalité derrière tout ça. En politique, ce qu'on peut tirer de ce débat, c'est l'éthique. Pourquoi? Parce que l'éthique, ça a une influence en politique, notamment dans les sociétés démocratiques. Pas chez les autres sociétés. Dans les sociétés démocratiques, les candidats veillent à paraître... Vertueux et éthique pour avoir une image positive auprès de l'opinion publique qui, elle, à la suite, est souveraine. Donc elle va décider de l'opinion. Aussi. Bien sûr. Tout à fait. Voilà. Mais derrière le paraître, il y a le réel politique. Il y a le réel politique, il y a la raison d'État, il y a beaucoup de choses. Et il y a le mensonge. Si bien que d'état. Pour ce qui nous concerne, nous, le mensonge en politique, il faut plus le voir sous son pendant politique. Et il y a un mécanisme qui existe. Et duquel on doit parler, c'est celui qui est très fort en question de mensonge, par exemple, c'est ce qui s'appelle la transparence. C'est-à-dire que dans les sociétés politiques, ce qui est reproché, ce qu'on peut reprocher, ça n'est pas le mensonge qui est relatif, je dis. C'est l'absence de transparence. C'est l'absence de transparence. Pourquoi? Parce que l'absence de transparence, elle a un volet légal. On est dans le domaine de la légalité. Par contre, lorsqu'on parle de mensonge, nous sommes dans le domaine de la moralité. Et la loi ne vous condamne pas pour un acte immoral en politique. Oui. Ce qui vous condamne en politique, c'est de flirter avec l'illégalité. Et c'est pour ça que, lorsqu'on voit que la pratique du mensonge entre les sociétés démocratiques et, par exemple, et les sociétés autoritaires comme la nôtre diffère, nous, dans la société autoritaire, le dictateur ou celui qui a été désigné, ceux qui sont... Ils n'ont rien à faire. Ils n'ont rien à faire de la moralité. Ils n'ont rien à faire aussi même de l'acceptabilité du mensonge ou de la manipulation. Parce que si on écoute, par exemple, on va y arriver en fin d'émission, je pense, si on écoute M. Tebboune, l'Algérie serait une puissance économiquement. On va y arriver. Alors que dans les sociétés démocratiques, les candidats déjà font un travail sur
sur le côté moral pour rester dans l'éthique, et surtout, ils ont peur de l'aspect légal. Il y a la légalité, en effet, sur cette question-là, mais il y a aussi l'opinion. L'opinion juge. Oui, l'opinion. Absolument, oui. Et elle juge sur la morale et sur l'éthique. Oui. Pour revenir L'opinion en public, vous voulez dire. Oui, bien sûr, évidemment, et elle compte. Oui. Elle compte dans les sociétés démocratiques, c'est elle qui sanctionne. Attention, c'est elle qui sanctionne. Barima a tout à fait raison. Mais l'opinion, elle peut faire l'objet de manipulation elle-même. Absolument. Ah bah oui, oui. Bien, donc, évidemment. Cette opinion, voilà. Évidemment. Elle reste malléable, relative. Et parfois, c'est les deux à la fois. Oui. La société démocratique. Et jusqu'à ces dernières années, était considérée comme la société du vrai. Aujourd'hui, il y a pas mal de philosophes qui pensent à l'ère de la post-vérité ou à l'ère du post-factuel. C'est-à-dire qu'on ne voit plus les faits, comme un peu chez nous. Et la société, entre guillemets, démocratique, parce qu'elle dérive vers ce qu'on appelle le populisme, entre guillemets, quoi qu'il faut. Donc, l'ère de la post-vérité ou le monde occidental de façon générale, on l'a vu avec Trump, et on le voit aujourd'hui en France ou en Italie. La première ministre italienne, la question de Platon, là où Platon a expliqué le mensonge, c'est dans Lippias le mineur. Et dans Lippias le mineur, il explique le mensonge. Et il explique le mensonge sur la question des valeurs. Parce que Lippias le mineur avait une sympathie pour Achille. Donc, il entourait Achille des plus grandes valeurs. Toutes les valeurs, c'est Achille qui les possédait, mais pas Ulysse. Et c'est là où Socrate intervient dans le dialogue pour dire qu'il mentait. Karima a parlé de mensonge, Brahim aussi, mais le mensonge ne peut se bâtir que contre quelque chose, contre la vérité. C'est cette dualité-là qui fait que les sociétés avancent. Tout à l'heure, Brahim parlait d'opinion, ou c'est Karim, je ne me souviens plus, qui parlait d'opinion. Cette opinion, comme vous l'avez suggéré, M. Benchenouf, est peut-être manipulée et manipulable. Il n'y a qu'à voir Brahim, tu viens de parler de populisme. Regardez ce qui s'est passé dans certains pays de l'Est, entre autres le Premier ministre hongrois, ce qui s'est passé avec Trump, ce qui s'est passé aussi avec... dans un autre cadre, dans cette forme de dégagisme, où Karim et Ibrahim ont parlé de populisme, c'est que maintenant, nous sommes, enfin les politiques, ceux qui ont un destin politique, pratiquent ce qu'en philosophie on appelle l'extrait de sophisme, avec toutes les dérives, avec tous les cheminements, pour arriver à fabriquer une opinion. Alors, j'aimerais que nous allions un peu vite, parce qu'il y a beaucoup de sujets à traiter, mais j'ai une question d'abord pour vous tous. On comprend que dans des sociétés démocratiques, on puisse recourir au mensonge pour essayer de tromper les opinions publiques, comme vous le dites si bien. Mais dans les sociétés autoritaires, où le dirigeant ou le pouvoir a la réalité du pouvoir, qu'on le veuille ou non, et qu'il peut faire ce qu'il veut, sans que quiconque ose brancher, pourquoi recourir alors au mensonge ? Si vous permettez, je vais reprendre la parole. Avec une petite remarque sur ce qui a été dit, parce que c'est très important, lorsque Dabrahim a parlé de post-vérité. Je pense que dans les sociétés occidentales, on se dirige plus vers une société du post-politique, c'est-à-dire dans la période Covid, par exemple, nous avons vu, et ça se voit de plus en plus, nous avons des tentatives de scientisation des débats politiques. Oui. C'est-à-dire que jusqu'à l'époque... Pour ne pas laisser le choix aux gens. C'est-à-dire jusqu'à la période Covid, et c'est vraiment une première, hein, et il faut suivre ça de près. Avant le Covid, tout ce qui était lié à la décision publique était fait d'opinion. Oui. C'était sur l'opinion. Oui. Mais avec le Covid, la crise Covid, nous avons vu apparaître sur scène quelque chose de très nouveau dans le monde politique, c'est-à-dire l'expertise scientifique qui, elle, est censée être
indiscutable, parce que ce sont des faits au cas, scientifiques. Voilà, au cas politique. Posés. Et donc, à partir de discussions scientifiques, d'experts qui sont loin de la politique, des politiques prennent des décisions lourdes de conséquences sur la vie publique. Nous avons, par exemple, vu le confinement, la restriction des libertés, tout ça. D'ailleurs, beaucoup de gens ont parlé de complot. Absolument. De complot, de manipulation, de beaucoup de choses. Et ça se poursuit encore avec, et moi ce qui me fait peur aussi, avec tout le débat sur le climat, par exemple. C'est-à-dire, nous avons maintenant aussi des décisions politiques qui sont prises et qui vont être prises plus tard sur des avis de scientifiques, spécialistes du climat. Et voilà. Alors qu'en réalité, ce qu'on oublie, c'est que nous sommes toujours dans le politique. Et donc, c'est pour ça que je voulais faire déjà cette remarque, pour voir comment cette question du mensonge et de la manipulation, voire du rapport à la vérité, est en train d'évoluer, elle est en train de changer. Oui. Et pour revenir... Il y a un travail qui a été fait là-dessus, sur ce que tu dis. Quelqu'un qui s'appelle Overton a imaginé ce que d'ailleurs tout le monde appelle la fenêtre d'Overton. Et la fenêtre de Overton cible un certain nombre de thèmes, des thèmes porteurs pour le politique. Et ces thèmes-là, par exemple, en Occident, enfin dans l'Europe en particulier, la question de l'immigration... La fenêtre d'Overton. Overton. Overton. O-V-E-R-T-O-N. D'accord. Donc, la fenêtre d'Overton pose un certain nombre de thèmes, sachant pertinemment que ça marche. Et que des partis, par exemple aujourd'hui, partout d'ailleurs en Europe, d'extrême droite, ciblent l'immigration par exemple. On est toujours dans le domaine de l'opinion. Mais le plus dangereux, quand je parle de post-politique, c'est qu'on va... L'immigration, on peut en débattre. De l'extrême droite à l'extrême gauche, le débat est permis. On ne débat pas avec son médecin, avec des spécialistes en médecine. On ne débat pas avec des spécialistes qui viennent avec des études sur le climat. Mais c'est le cas de la fenêtre d'Overton aussi, je crois. C'est pour ça qu'on parle de post-politique. C'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Pour moi, c'est la première fois que ça a été fait de cette manière. Moi aussi. Peut-être. C'est la première fois depuis le Covid. Nous avons la technocratie. La technocratie, et nous savons depuis Burnham au moins que l'ère du managérial était arrivée. Mais ça n'a pas pris en politique. Les managers... Non, même en politique. Même en politique. Il y a des gestions managériales du politique. Oui, je sais, hein, mais je pense que justement, c'est dire que la technocratie, ça peut aller du médecin jusqu'au à l'ingénieur de qui, niveau, qui ne laisse etc. donc pas le choix, et qui s'impose en tant que tel. Le choix démocratique. Mais ça a eu du mal à prendre. Ça a été fait. Juste un instant, parce que moi j'ai suivi ces questions. Ça, c'est justement, la technocratie, par exemple, et puis par la suite aussi, par les médias, ça n'a pas réussi à prendre. J'aimerais que nous restions un peu dans l'angle du mensonge. Oui, et on va revenir au mensonge pour répondre à votre question. Parce que c'est quelque chose d'important. Nous sommes dans le mensonge. Oui. Ça, c'est toujours dans le mensonge. Nous sommes dans la manipulation. C'est de la manipulation. Je jure que je ne mens pas, mais je me permets d'intervenir. Ce qui est, juste ça, ce qui est abject... Dans le mensonge, si j'ose dire. C'est de jurer, c'est comme ça qu'on dit. C'est la calomnie. Oui, nous allons en parler. Voilà, la calomnie est la chose la plus abjecte parce qu'elle nous touche tous. L'atteinte à la dignité, à l'honneur des gens. Avant de passer à d'autres questions. Je ne sais pas si je vais digresser un peu, mais ça rejoint, c'est la notion de métapolitique. C'est-à-dire que c'est la notion de métapolitique qui se situe en dehors des luttes politiciennes. Ça va accréditer la thèse de Karim, où cette métapolitique, c'est une notion un peu gramscienne, c'est-à-dire par la culture, par etc., où finalement... le jeu politicien, c'est pas là que s'exerce le pouvoir, il s'exerce en dehors, et justement dans cette sphère de métapolitique, parce que au niveau du politique classique, cette politique classique n'a plus, si vous voulez, la force d'exercer le véritable pouvoir. Voilà. Et ça participe à l'expertise, à plein de choses. Et pour revenir à votre question, si vous permettez que je réponde. Oui, je suis d'accord avec toi. Il faudrait qu'on avance. Parce que vous avez posé la question sur la différence avec nos sociétés. Dans les sociétés autoritaires, parlons comme ça, parce que je ne sais pas comment les nommer autrement, on a plus recours à les grossiers mensonges sont plus justifiés par
des opérations de grande envergure de propagande, de manipulation de masse. Et elles sont utiles. Vous avez dit que normalement, le détenteur du diplôme n'a pas besoin, ouais. Mais en réalité, ça n'est pas vrai. Pourquoi ? Au contraire, il a toujours besoin de la propagande pour endormir tout simplement les gens, les maintenir dans une espèce d'attentisme. Vous voyez, on leur fait projeter un roman national, une réalité fausse, pour le coup, pour revenir. Pour les laisser... C'est une anesthésie politique. C'est une anesthésie politique, voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans les sociétés démocratiques, on a peur de l'opinion publique. Dans les sociétés autoritaires, on a peur, osons le mot, voilà, du sursaut de la révolution. De la prise de conscience politique. Voilà, et qui mène à une révolution. Tout à l'heure, que nous avons écouté, lui-même le dit, d'autres le disent, la politique ne s'adresse jamais à la raison des gens. Jamais à la raison. La politique, sa spécificité à la passion et au sentiment des gens. Or, aujourd'hui, il n'y a que des sentiments. À la peur aussi. Oui mais c'est un sentiment. C'est une émotion, tout à fait. Ça a l'air de rien, les deux vecteurs que vient de soulever Karim en ce qui concerne nos pays autoritaires, particulièrement l'Algérie. Il y a deux vecteurs, deux petits vecteurs. C'est un, Ouadariba, on est un pays, on est puissant, on est développé, et Dieu, non, pas Dieu. Dieu merci. Et les deuxièmes, pardon, c'est l'armée. On est là pour vous sécuriser, ne vous inquiétez pas. C'est dans cela que la propagande marche. C'est paternaliste. Et une question pour vous, parce que vous êtes un peu vous avez un peu de temps à rattraper. Alors, Idir, et la religion dans tout ça? Dans le mensonge. On parle de ça, tombe sur cette question. Vous avez parlé de Dieu. J'apprécie. On en a déjà parlé. Alors, la religion censée véhiculer de l'éthique, de la morale, de l'honnêteté, de la transparence, de la vérité. Et qui, bien souvent, chez les chrétiens, par exemple, c'était le pape qui mettait la couronne sur la tête du roi ou de l'empereur. Chez les musulmans, le calife est lui-même lieutenant de Dieu sur terre. Certains disent l'ombre. Ou l'ombre de Dieu sur terre. C'est encore pire, je crois. Il y a l'ombre et la proie. Comment ça se fait que la religion marche ainsi dans des combines aussi sinistres qui consiste à mentir à tout un peuple, à le mener en bateau, à le tromper, à l'induire en erreur, à l'anesthésier, à lui faire peur, à le monter, à le dresser, à dresser les gens les uns contre les autres. Je crois qu'il y a des exemples historiques de ce que la religion a produit. Tous les massacres qu'il y a eu au nom de Dieu. On nous présente la religion comme s'il fallait protéger Dieu. On éduque nos enfants, particulièrement chez nous. C'est pour ça que je dis souvent qu'il faut que cesse la démagogie religieuse dans notre pays. On élève nos enfants dans un système éducatif complètement idéologisé, à craindre Dieu au lieu d'aimer Dieu. Mais tous les tyrans qui exercent au nom de Dieu, c'est des tyrans pour la plupart. Ils prennent leur source évidemment dans une source légale. Quel type d'école se réclame-t-il? Sont-ils vertueux? Non. C'est des hommes, tout simplement, et qui profitent d'une situation donnée et qui... C'est des hommes, tout simplement, ça veut dire qu'ils rejoignent ceux de l'autre versant. Ah, tout à fait. Qui, eux, ne se revendiquent pas du tout de la religion, bien au contraire, d'aussi gros mensonges. Et ce qu'il y a lieu de dire aussi, c'est que il devrait y avoir, pour moi, même dans notre religion à nous, des efforts d'exégèse. D'abord des efforts d'exercice pour que la religion soit mieux comprise. Et moi qui ne suis pas pour un islam politique et qui a très peu de chances de se concrétiser, et puis il n'y a pas d'islam politique dans ces pays-là. Il y a des gens qui gouvernent et qui régissent leur peuple quand il s'agit de monarchie au nom de Dieu, mais dont le comportement est loin d'être vertueux. C'est pour ça que la religion, pour moi, c'est... C'est un,
vous allez dire, un cache-misère pour tous ces peuples-là qui ont plus besoin d'émancipation, de liberté et finalement de vivre dans un cadre normal, dans des relations normales, tout en gardant les fondamentaux culturels et toute l'anthropologie. Non, mais le plus incompréhensible pour les religions, c'est surtout cette permissivité pour le mensonge. Je vais digresser un petit peu. Ils en arrivent même, certains, à vous dire, par exemple, al-harb khida. Entre autres, oui, il n'y a pas que ça. Pour dire que c'est tellement rentré dans le disque dur que... Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on peut, au nom de la religion, commettre des choses et trouver des alibis de hadith, ou de, etc., et d'interprétation. Je vais vous donner un exemple. Pareil pour les autres religions, évidemment. Pour le judaïsme. Je parle en tant que... Ouais. Que citoyen algérien, musulman, quoi, non pratiquant, mais musulman. Ce que je veux dire, M. Benchemouf, c'est que... j'oubliais là. Regardez, quand il y a eu le 11 septembre, l'attaque de Tours, évidemment, dans le groupe de gens qui ont préparé et qui ont donc fait l'attentat, commis l'attentat, il y avait les trois quarts étaient saoudiens. Le roi de l'époque, avec son cabinet, ont appelé les plus grands majors de communication. Il faut trouver les moyens, le mensonge. Le moyen pour, etc., pour diluer etc. Pour essayer de vendre l'image de l'Arabie saoudite qui serait pas du tout concernée par tout ça. Il a les trois majors, il avait deux françaises. Je crois que c'était Abbas. Le gars qui parlait à Abbas, il a dit aux représentants saoudiens, il leur a dit, votre produit est invendable. En ces termes. Hein. Il lui a dit, tout ce qu'on peut faire pour vous, c'est qu'on ne parle pas de vous. Alors, vous voyez, c'est clair. Ça situe. Un tour de micro sur une question très importante, puis nous allons passer au mensonge dans les grandes démocraties occidentales, donneuses planétaires de leçons. D'abord, la mainmise de l'argent sur le pouvoir, la mainmise de l'argent sur les médias, hein, qui est le principal vecteur du mensonge. Et nous avons tous... Propagateur, en effet. Vecteur, propagateur, ouais, catalyseur... Propagande, propagateur. Accélérateur, tout ce que vous voulez. Ouais, tout à fait. Mais alors, la mainmise de l'argent sur la décision politique, sur le pouvoir politique, à tel point que dans la séparation des pouvoirs, lorsqu'on parle du pouvoir législatif, exécutif... judiciaire. Beaucoup de gens pensent aujourd'hui qu'on devrait laisser une très large part, la meilleure, la plus importante, à celle du pouvoir financier, dont il n'est jamais question, en fait. Brahim Youssi. Tout simplement parce que le pouvoir financier n'est pas institué. Donc, il joue un rôle fondamental dans le politique. Occulte. Ben oui, évidemment. Forcément, ce n'est pas une institution. Ben oui. Parce qu'en plus, il obtient toujours des choses en retour, quand ceux qui l'a soutenu arrivent au pouvoir. Parce que ce n'est pas l'État qui l'occupe ou qui le préoccupe, le financier. Oui. C'est le pouvoir. Qui a le pouvoir? On l'a vu avec un certain nombre de manias richissimes qui visent toujours le pouvoir et qui ont toujours des batteries humaines pour prendre le pouvoir. On a parlé tout à l'heure, par exemple, de Soros, tout à l'heure. Il y en a d'autres, il y a des clubs pour ça. Bilderberg et d'autres encore, sans parler de Davos. Il y a aujourd'hui un travail très poussé, un travail intellectuel par des savants, y compris sur la question que nous abordions tout à l'heure, celle du Covid. Le reset, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein, c'est le patron de Davos. Hein, j'ai oublié son nom. Appuyez sur un bouton pour tout effacer. Pour tout effacer. Choix. C'est, oui, mais, c'est dire que... Brahim Youssi, comment une société évolue à ce point, les sociétés occidentales, relativement libérées, relativement libres, relativement protégées par des équilibres très, très subtils, comment de telles sociétés peuvent-elles accepter que trois ou quatre familles disposent de la quasi-totalité de la presse, ben oui, des médias, sachant que celui qui détient les médias détient le pouvoir. Donc il y a de l'équilibre, même lorsqu'il est instable, parce que vous avez un équilibre stable et un équilibre instable.
Mais aujourd'hui, avec ce qui se passe au niveau de l'argent, le déséquilibre commence à se faire. Il y a un déséquilibre qui se fait. Y compris dans ces sociétés-là, nous sommes dans une situation, pas post, mais pré-révolutionnaire. Comment vous avez dit ? Pas post, mais pré-révolutionnaire. Pré-révolutionnaire, oui. Pas post-politique, mais pré-révolutionnaire. Oui. Quand on triche avec l'opinion publique, on triche avec les élections, notamment sur le traité européen que les Français avaient rejeté. Donc la démocratie, et vous avez beaucoup de philosophes français qui ont écrit sur la haine de la démocratie en France. L'illusion de la démocratie en France. C'est dire que le mal est très, très, très profond. Et vous avez un philosophe allemand, contemporain, qui s'appelle Kurt Flasch. Bien sûr, il le dit pour ce dont on parlait tout à l'heure, le péché originel. Mais aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses, y compris le Covid, qui agissent comme une logique de terreur. Donc il y a une logique, des logiques de terrorisme. Vous ne seriez pas tenté de dire de logique de terrorisme ? Ça peut être des logiques de terrorisme. Mais terrorisme en tout cas, intellectuel, mais pour la finalité. En tout cas, des logiques de terreur. Il y a aujourd'hui des logiques de terreur qui se produisent, que l'on fabrique. Je pense, là on est arrivé vraiment à un moment très important de notre débat. Déjà, à mon avis, il faut distinguer les deux airs maintenant. Les deux aires géographiques, c'est-à-dire il y a les sociétés, l'ère occidentale de la société de la démocratie. Et pas n'importe quelle démocratie, ça s'appelle la démocratie d'opinion. C'est pour ça qu'on va revenir, pourquoi les médias. Et après, il y a l'ère, par exemple, africaine, moyen-orientale, qui est les aires de, pour moi, du pré-politique, des pré-États, des États post-coloniaux, c'est-à-dire qui n'ont pas encore atteint le niveau des sociétés politiques. Donc on est dans les aires de l'autoritarisme. Et c'est une autre question. Mais pour revenir, parce que le débat est sur la démocratie, je pense que cette situation que nous sommes en train de décrire, le rôle de l'argent vis-à-vis du pouvoir et le talon d'Achille de ces démocraties occidentales fondées sur l'opinion. Pourquoi ? Déjà, il faut se demander pourquoi l'argent va vers les médias. L'argent veut aller vers le pouvoir, il ne faut pas oublier. Mais pourquoi il passe par les médias pour aller vers le pouvoir ? Parce que si les grands patrons achètent des médias, ils ne le font pas comme ça. Qu'ils ne font pas de bénéfices. Absolument. Il faut le rappeler. Tout à fait. Les gens ne savent pas suffisamment. La plupart des gens ne savent pas ça. Qu'il n'y a quasiment plus de médias qui font des bénéfices. Financièrement parlant. Oui. Mais ces patrons. Médias papier. Hein, pourquoi ? Même les médias. Même électroniques, même certaines, beaucoup de télévisions, chaînes télévisées, ne font pas de bénéfices. Les grands groupes qui les possèdent font leurs bénéfices ailleurs, sur d'autres activités. Prenons par exemple Bouygues, ça n'est pas avec TF1. Ce n'est pas avec TF1 qu'il gagne TF1, son argent. TF1, c'est la première chaîne en Europe. Oui, mais ça n'est pas... des bénéfices. C'est, à la base, ça n'est pas un groupe de médias. Subventionné. Ouais, il n'y a pas de subvention d'État, très peu. Si, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Très peu importe, ce n'est pas le débat. Peu importe, ce n'est pas le débat. Voilà. Mais pourquoi un groupe à la base de bâtiments, l'immobilier, tout ça, pourquoi s'achète-t-il un média ? Et c'est pareil pour d'autres groupes. Bolloré, hein. Voilà. Il faut Bolloré, d'autres groupes aussi. La Gardère avant. Il faut se poser la question. C'est que nous sommes dans des sociétés de démocratie de l'opinion et actuellement, on a bien fait de commencer le débat par le débat philosophique sur le rapport à la vérité et donc c'était sur l'éthique, l'opinion, la crédibilité, la légitimité. Les médias actuellement en Occident permettent quelque chose de magique, permettent de désigner, elles font le rôle du prêtre et elles font le rôle de l'imam dans les sociétés musulmanes, les médias. C'est quoi ce rôle ? Elle désigne le bien et le mal, oui. Le bon du méchant. Absolument. Hein ? Et donc, quand vous êtes un patron dans une démocratie d'opinion, quand vous êtes patron de médias, quand vous possédez des médias, eh bien, vous tenez entre vos mains la réputation des acteurs politiques. Souvenons-nous, par exemple, il faut se souvenir comment, par exemple, un personnage comme Fillon a été dégommé par les médias pour des affaires qui sont relativement petites par rapport à d'autres, à d'autres casseroles que traînent d'autres personnages. Mais à l'époque, pour ouvrir la voie au candidat Macron,
Fillon a été littéralement... Laminé. Oui. Voilà, donc les médias permettent tout simplement de désigner le bon du méchant. Et c'est mais très mine important. De rien, hein, mine de rien, sans oui. prendre de risque. Et c'est ce qui compte. C'est juste la façon de présenter voilà, les choses. De présenter les autres. Et c'est ce qui compte dans les démocraties d'opinion. Ouais. Pourquoi? Parce qu'un candidat qui est diabolisé par les médias ne peut pas gagner les élections. Et c'est pour ça qu'on parle maintenant de crise de démocratie. Parce que lorsqu'on se dit que Macron, certains disent Macron n'a pas été élu, les gens pensent qu'on a renfloué Non! Il n'y avait pas triche comme celle qu'on connaît en Afrique. Il y avait certains parlent d'une autre forme de triche, c'est-à-dire qu'il a été favorisé. Il a été favorisé médiatiquement. On a construit une image, un storytelling qui a fait que il est apparu comme étant le candidat idéal pour la société. Ah, donc on a influencé le choix. La pratique, la plus efficace. Des médias, c'est le conditionnement subliminal. Tout à fait. C'est un débat très important. C'est que le pouvoir de la presse, c'est juste tel que tu le décris, mais il est apposé au pouvoir de l'argent, au pouvoir financier. C'est le même pouvoir. Oui. Qu'ils utilisent les médias comme étant un outil de propagande mais à ce moment-là. Mais tout à fait. Et là, par contre, si vous permettez... Ça, c'est pas nouveau. Oui, c'est pas nouveau. Non. Oui, mais c'est l'outil qui est nouveau. C'est l'outil qui est nouveau. Parce que le pouvoir de l'argent passe par les médias. Et ici, si vous permettez, parce que j'ai dit qu'il fallait distinguer les deux aires, juste une remarque sur l'ère africaine, moyen-orientale. En deux mots, Karim. Parce que c'est pas le pouvoir... C'est pas comme en Occident, c'est le pouvoir qui fait les hommes politiques. Dans nos sphères, c'est... comme c'est une société pré-politique, c'est l'autorité, c'est le pouvoir militaire sous ces différentes formes qui font les hommes d'argent. Hein, vous ne pouvez pas être un patron dans cette terre-là si vous n'avez pas d'appui au niveau de la caste militaire. Voilà. Pourquoi? Parce que ce sont eux les détenteurs du pouvoir. Parce que nous sommes dans des sociétés pré-politiques. Il n'y a pas de véritable pouvoir politique. Tout à fait. Comme c'est le cas aujourd'hui. Alors, nous allons parler de... Juste un mot. Oui, Brahim aussi. Kant. En parlant du mensonge, c'est-à-dire le mensonge nuit à la liberté. On ne peut pas mieux dire. Voilà. Le mensonge nuit à la liberté, effectivement. Absolument. Alors, nous allons parler de ces grandes démocraties occidentales donc, qui violent allègrement les droits des peuples. Rappelez-vous cette histoire de l'invasion de l'Irak par les Américains, comment ça a été cousu de fil blanc. Rappelez-vous l'histoire de la création des Afghans par les Américains en Afghanistan pour faire tomber l'URSS en fait, Dobbul Ahmar pour lutter contre l'ours rouge. Et rappelez-vous que dans cette opération qui s'appelait opération Cyclone, conjointe entre la CIA et la Saoudi, 5 milliards pour l'un, 10 milliards pour l'autre, dollars à l'époque c'était quelque chose. Tous les services de sécurité arabes, dont celui de l'Algérie, la ASEM de l'époque, ont participé à la création des djihadistes afghans. Il faut le rappeler, parce que les mêmes afghans qui ont été formés par la ASEM, qui ont été recrutés par les agents d'un certain parti politique que je ne nommerai pas en Algérie, qui était le sergent recruteur des afghans, les mêmes Afghans qui sont revenus plus tard en Algérie ont été arrêtés par la même SM parce que les Américains ont décidé du jour au lendemain de changer d'optique. L'ami qui libérait l'Afghanistan hier des griffes de l'ours rouge était devenu le terroriste. Et donc, il y a aussi l'affaire du Sahel, dont on nous rebat les oreilles aujourd'hui. Le terrorisme au Sahel, qu'il faut confiner, qu'il faut contraindre, qu'il faut ceci, alors que tout le monde sait que le terrorisme au Sahel a été littéralement créé par des puissances occidentales, avec l'aide très intéressée du DRS dans le Sahel. Rappelez-vous que parmi les cadres dirigeants de GSPC puis de l'ACMI, il y avait un certain Abdelrazak Alpara, connu pour être un agent du DRS patenté. Alors, nous allons voir quelques déclarations, puis nous allons parler de tout ça. D'abord, M. Colin Powell. Saddam Hussein et son régime ont fait tout ce qu'ils ont pu pour que les inspecteurs ne trouvent absolument rien.
Deuxième partie abordée, les armes de destruction massive. Le chef de la diplomatie américaine brandit un flacon d'anthrax pour dénoncer l'existence d'armes biologiques, puis fournit une photo non identifiée d'un drone, avion sans pilote, qui pourrait transporter des armes chimiques et biologiques. Cette photo, précise Colin Powell, n'a pas pu être prise en Irak. Enfin, Powell s'intéresse aussi aux missiles à longue portée et accuse également, photo à l'appui, l'Irak de vouloir développer l'arme nucléaire. Saddam Hussein possède déjà deux des trois composantes nécessaires pour fabriquer une bombe nucléaire. Il a des scientifiques nucléaires compétents et il a déjà les plans de cette bombe. Enfin, troisième phase de la démonstration, les liens entre Saddam Hussein et les réseaux Al-Qaïda. Alors, je rappelle, comme nous le savons tous, qu'il s'est avéré par la suite que c'était des bobards. D'ailleurs, il le reconnaîtra lui-même, M. Powell. Il a dit que j'ai été trompé. Entre-temps, ce sont des millions d'Irakiens qui ont perdu la vie. Je vais vous faire écouter autre chose qui procède un peu de ces techniques, de ces méthodes chafouines très, très bien élaborées et qui consistent à conditionner des peuples entiers contre d'autres peuples. Pour des raisons et d'autres, comme ça a été le cas de Hollywood, qui a été mis sur rail il y a à peu près 115 ans, avec un projet ficelé, provoquer la haine de l'arabe et du musulman. Ça a été, je ne vais pas en dire plus que ça, mais je vais vous faire écouter un petit extrait du documentaire que je vous recommande très chaleureusement, très chaudement, Hollywood et les Arabes. Alors, écoutez ce petit extrait. Plus de 300 films, soit près du quart des films hollywoodiens qui humilient les Arabes d'une manière ou d'une autre, contiennent des calomnies tout à fait gratuites ou font des Arabes un objet de risée. Nous allions à la Mecque et l'avion était rempli d'Arabes avec leurs animaux, le chèvre, des moutons, des poules. Ils ne vont nulle part sans leurs satanés animaux. Il a fallu mettre du plastique dans la cabine parce que tout ça, ça gris, ça défecte partout. Au début du film Chapitre 2 de Neil Simon, l'acteur principal revient de Londres. Quand son frère lui demande comment il a trouvé la ville, celui-ci répond « pleine d'Arabes ». Mais imaginez s'il avait répondu « pleine de Noirs », « pleine de Juifs » ou « pleine de Latinos ». C'est ridicule, pourquoi dire de telles inepties ? Le film Le Père de la Mariée 2 comporte des clichés particulièrement offensants, notamment dans la scène où Steve Martin vend sa maison à M. Habib. Et voici mon fils Mathieu et son ami Justin. Nous avoir aimé très beaucoup quand vous peut-être partir. Je demande pardon? Les Habib voudraient acheter votre maison. C'est exactement la maison qu'ils veulent. Oui, mais quand vous déménagez, nous vouloir l'avoir dans une semaine après mercredi et ma femme vouloir petite assiette à fleurs de cuisine, vous vendre, moi payer 8 selons. Lorsque la femme soumise de M. Habib tente de prononcer un mot, il lui hurle un véritable charabia. Alors, mes chers amis, un tour de micro, mais je vous demanderai très rapide, parce qu'après, il ne nous reste plus beaucoup de temps pour parler de la deuxième partie, qui est de l'Algérie, de ce fameux tabou dont je vous ai parlé, dont nous allons parler maintenant. Alors, sur ces puissances mondiales qui donnent des leçons et qui commettent autant d'horreurs, autant de carnages sur les populations. Peut-être plus d'horreurs. Oui. Avec les moyens dont ils disposent. Oui, absolument. Et leur puissance de frappe. Ils font plus d'horreurs, y compris sur le plan social. Merci de l'avoir corrigé, en effet. Y compris sur le plan socio-économique. Absolument. Quand ils veulent affamer. C'est autrement plus ravageur. Oui. Et là, je reviens à cette notion de fenêtre d'Overton. Nous y sommes dans le film dont vous avez parlé. On cible les Arabes. Oui. On conditionne et oui. Tout le et peuple oui. américain. Tout, d'ailleurs, et on conditionne même les Arabes eux-mêmes contre bien eux-mêmes. Bien sûr, contre eux-mêmes. C'est incroyable. Mais ça se passe tous les jours. Ouais, ce sont des stéréotypes qui ont été littéralement inséminés. On est manipulé, la manipulation subliminale est telle, et on l'utilise très souvent. Et puis, la véracité est devenue
une chose secondaire. Ce n'est pas le vrai qui est premier, qui est important aujourd'hui. Ce n'est pas cela. Oui. C'est l'effet des choses. C'est l'écume des choses. Ce n'est pas la vérité qui compte. Oui. Et pour ces puissances, c'est exactement cela qu'ils diffusent dans le monde entier, y compris chez nous. Et comment font les gens pour se faire avoir? Comment de telles monstruosités peuvent-elles avoir cours, être passées en pertes et profits, sans plus de répercussions des peuples opprimés contre... Est-ce que qu'ils sont drogués? Est-ce qu'ils sont anesthésiés, conditionnés? Je crois que dans l'Occident, les sociétés, j'allais dire de consommation, mais d'hyperconsommation, je crois qu'elles jouent sur l'esprit critique, le sens critique. Et chez nous, c'est l'inverse. Oui, c'est incroyable. L'inverse. Merci, Karim. Je vais être en désaccord avec vous et avec mon ami Ibrahim. La stigmatisation des Arabes, je ne pense pas que ce soit un enjeu majeur pour les États-Unis, puisque ça se passe aux États-Unis. Ils sont liés. Ça fait un siècle, quinze ans que ça a cours. Hein, oui, non, à Hollywood. Oui, peu importe, à Hollywood ou à Bollywood, c'est pareil. Le problème n'est pas là. Le problème, ce que je veux dire, c'est que d'abord, à l'époque, il y a un siècle, il y avait 180 millions d'Arabes, 190 millions d'Arabes. Aujourd'hui, il y a 350, 360. Qu'on est stigmatisé, qu'on stigmatise les Arabes, à la limite. Je voudrais savoir qui s'est exprimé d'abord et comment le situer à la fois socialement et politiquement, ce monsieur qui parle au nom de... C'est un professeur libano-américain, en communication dans une université américaine. Je vais vous dire, les États-Unis ont plus de soucis avec leurs latinos, à leur frontière avec le Mexique, qu'avec les Arabes. Les Arabes du Moyen-Orient, enfin du Golfe Persique, le CGG, ont plus, avec les accords de Quincy, entre le roi d'Arabie Saoudite et le président des États-Unis, ont scellé des accords qui durent depuis bientôt un siècle. Depuis Ibn Saoud. Les Arabes ne sont pas stigmatisés? Non, c'est pas ce que je veux dire. Les musulmans ne sont pas stigmatisés par les médias? Je dis que les enjeux... Oui. Là, on parle d'un phénomène culturel, on parle d'Hollywood, cinéma, etc. etc. Oui, oui. C'est la représentation, c'est comme la représentation au niveau de la conquête de l'Ouest, où les Indiens étaient tous des méchants. Voilà. Et que voilà. Oui. Mais l'intérêt de stigmatiser la communauté arabe, ou le peuple arabe, n'est pas pour moi très important par rapport à d'autres communautés qui luttaient pour leurs droits civiques, les Afro-Américains, les Latinos et les Asiatiques. Donc, vous semblez glisser le problème palestinien sous le tapis, là. Non. Le problème palestinien compte énormément pour Hollywood et toutes les conséquences qui en découlent. Peut-être. J'ai pas de notion là-dessus. Ce que je veux dire par là, pour en revenir au fait qu'on est stigmatisé, je dis pas qu'il n'y a pas de stigmatisation, mais l'urgence pour tous les gouvernements des États-Unis. Peut-être un peu moins pour les démocrates, mais avec toujours la même volonté, puisque finalement la construction du mur continue et qu'ils surfent aussi sur cette voie populiste qu'a animé Trump, cette forme de dégagisme qu'on retrouve d'ailleurs en Europe. Ça, je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne vois pas l'intérêt majeur de stigmatiser les Arabes avec lesquels ils entretiennent d'excellentes relations. C'est ce que je veux dire. Ils entretiennent d'excellentes relations avec les potentats arabes. Non, quand je dis potentats, bien sûr que c'est des potentats. Arabes, pas avec les peuples musulmans. Mais je suis désolé, monsieur. Les États ont des relations avec les États. Regardez aux Nations Unies. Quant à nos fameux débats, l'État, pas d'État, les Nations Unies ne reconnaissent que les États. Ils ne reconnaissent ni les peuples, ni les nations. J'entends bien. Sur cette question aussi d'Hollywood que vous avez présentée, pareil, le sujet est très profond et ça n'a pas commencé avec Hollywood. Moi, je vous invite à lire les travaux
de quelqu'un de... Il le dit, hein, ouais. Le professeur en communication le dit. C'est... Il dit, nous avons hérité ça des voilà. Européens. Tout à fait. Ils nous ont passé voilà. La patate chaude. Oui. Il faut lire, oui, oui. Voilà, il oui. Faut lire les travaux d'Edouard Saïd. Oui. Oui. Absolument. 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 Et surtout, surtout, oui. L'orientalisme oui. Avec son sous-titre, oui. L'Orient oui. Créé oui. Par l'Occident. Absolument. C'est-à-dire, oui. Le rôle de ces médias, à vraiment au niveau méta, pour parler de métapolitique en l'espèce, c'est de créer une vision du monde. Une vision du monde dans laquelle, évidemment, ils ont le beau rôle. Mais pour revenir, on va dire, pour descendre d'un cran, si vous voulez, et ça se fait aussi même à un autre niveau. C'est-à-dire, non seulement on influence intellectuellement dans la psychologie profonde des peuples, leur vision sur eux-mêmes, hein, pour asseoir un rapport de domination, un rapport de dominant-dominé, mais parfois, ça passe aussi même parfois, et là, je vais jeter une bombe, mais je compte sur vous parce que d'Abraham est juste sur ma droite. Je désamorce, t'inquiète. Voilà. Donc, je parle sous la protection de Deyivir et Jamaldine, et notamment Deyivir. Parfois, par les médias, par les biais de cette création de perception, on influence même la vision vis-à-vis de certaines personnes pour imposer certaines personnes par rapport à d'autres vis-à-vis de certaines époques. Je parle, par exemple, à un certain moment, au moment de la fin de la guerre d'indépendance en Algérie, on sait très bien qu'il y a eu beaucoup d'articles de presse qui étaient en faveur de Ben Bella. Et qu'à un certain moment, il y a eu tout un mouvement pour, entre parenthèses, l'imposer comme figure historique leader qui était légitime pour reprendre le flambeau après. Et ça n'est pas que là. Juste Karim, ouais. Excuse-moi, je ouais. Ne peux rien faire pour toi. Là, je suis à la merci de la clémence de Debrahim. Je pense que Jamaldine a... Alors. C'est très important. C'est... Ouais. Et ça se fait sur d'autres sphères, dans d'autres pays. Ça a été le cas avec Jamal Abdel Nasser, ça a été avec d'autres. Je t'en supplie, Barab, ne rebondis pas. Parfois leur leader... On impose leur leader via la presse, via le cinéma, oui, beaucoup c'est, de choses. C'est le système qui veut ça. Hein voilà, ouais. Voilà. C'est ça la meilleure manière de contrôler, en fait. C'est tout simplement d'influencer le choix. Je ne crois pas que Bembella soit le produit des médias ou de ce type de choses. Je ne le crois pas, sincèrement. Sincèrement. Je crois que, à travers effectivement le cinéma, ou ce que tu disais, c'est Jamal, à travers l'image, notamment il y a un film qui est emblématique là-dessus, c'est Laurence d'Arabie. Ouais. Laurence d'Arabie est emblématique ouais. De la création de l'imaginaire arabe. Ouais. Et là, depuis un certain nombre, j'allais dire, de décennies, hein. Ouais, oui, ouais, de décennies, hein. On crée l'imaginaire arabe. Ouais, ouais. Dans l'affaire dont tu parles de Mbembela, on parlait aussi des autres, c'est à dire, ouais, mais on a aussi créé, ouais. Oui, on a aussi c'est créé, on a, parce que c'est lui qui parlait à la presse. Et, oui, mais pourquoi la presse s'adresse à lui? Non, ne s'adressait pas à lui, c'est lui qui était délégué, à un moment donné, ça, crois-moi, c'est lui qui était délégué à représenter notamment les cinq. Alors, je me permets de vous interrompre, il ne reste plus de temps, donc on doit aller très vite. D'abord, nous allons montrer des images pour montrer qu'en Algérie, le mensonge vient de loin, qu'il y a même une sorte de mensonge fondateur du régime actuel. Oui, Brahim. Le président du Conseil français, oui. Dans les années 40 et 50, Henri Cueil, qui dit la chose suivante, les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Voilà. Alors, nous allons voir... la une du journal Al Mujahid, bien avant l'indépendance, qui annonce la mort de Ben Ramadan Rabbi Rahmou, tombé au champ d'honneur, nous dit Al Mujahid. Regardez. Ben Ramadan tombé au champ d'honneur alors que nous savons aujourd'hui qu'il a été assassiné par ses compagnons d'armes, appelons-les comme ça.
Regardez aussi lorsque Aït Ahmed a été capturé à Alger par le régime algérien. C'était en 64. 64. Regardez. Regardez la une de ce journal. Alors, et là, Alger républicain, hein, pourtant journal progressiste, l'ANP capture le traître Aït Ahmed. Alors, maintenant, je vous parlais tout à l'heure du tabou que personne n'ose transgresser, c'est celui de M. Tebboune, pas Karim Tabou. Le tabou que personne n'ose transgresser, que seul Qadi Ihsan vient de transgresser à travers un tweet pour nous dire en fait que M. Tebboune est tombé dans la, comment on appelle ça, la mythomanie la plus débridée. Parce que jusque-là en Algérie, le mensonge était chez lui, c'est vrai. Mais on n'a jamais vu un chef d'État algérien se laisser aller à de telles outrances mensongères. Nous allons les voir les unes après les autres, on n'a plus le choix, nous allons toutes les passer les unes après les autres et je vous laisserai en parler tout à l'heure. Monsieur Tebboune, de A à Z, comme... الحسنه موجوده الا المنتخب من طرف الشعب النائب ولا العضو ولا الكشمة. داخل قبه البرلمان فقط سيطره حجوجه بار كونفيكسيون سي با دوجوردي ما كانش سجين الراي تعطي راي معاكس على الراي نتاع السلطه ولا كذا تدخل هذا ما نهبطوش لهذا المستوى ولكن اللي يمس بالامن العمومي ويبغي يحتل الامور بالدرع واللي يشتم ويجرح ويخلق بلبلة في البلاد هذا ماهوش حريه التعبير هذه حريه التخبير التخريب حريه الشتم حريه الكلام هذه ما تبقاش اللي قلتها مرارا الديمقراطيه تتبنى بحريه التعبير الحقيقي حريه التعبير المسؤوله تهريب الأموال الضخمة اللي تهربت لمدة 10 سنوات ماهيش ولا 12 سنة ماهيش في دفعة واحدة ولا هو الشيء الإيجابي أن الدول الأوروبية وأنا شكرهم أغلبهم يعني مدونا يد المساعدة وفيه ممتلكات ظاهرة فنادق 5 نجوم وغيرها حتى رسميا بلغونا باللي مستعدين يسلموهم الجزائر ممكن نسمي بعض الدول سيادة رئيسة من اللي تعاملت مع الجزائر أغلب الدول الأوروبية في الداخل رانا كذلك في ما يقارب 20 مليار دولار يعني ما يساوي 20 مليار دولار هذه رجعناها باقي المال مخزن كيلكو بار في ليكاف ولا في كذا أنا معاه Avec un pays aussi vaste, on peut servir l'Afrique en matière de grains, en matière de ceci. On peut le faire, c'est techniquement très faisable. J'ai toutes les données depuis que j'étais administrateur sur ce plan-là. On peut produire facilement, on peut arriver à 30 millions de tonnes. Nous avons besoin de 9 millions. Et les 21 millions peuvent être exportés sans problème vers l'Égypte, vers le Maroc, vers la Tunisie, sans problème. Sur le plan de... Alors, très vite, mes chers amis, mea culpa, j'ai mal géré la distribution du temps. Donc, vous allez devoir faire très vite pour... C'est un cas de mythomanie. Personne n'en a parlé. L'Algérie n'a jamais connu un président qui se soit livré autant... à un tel, qui soit répandu dans de tels mensonges, mais qui relève réellement de la pathologie, semble-t-il. Votre avis sur la question avant de passer à un dernier tour et de dire au revoir à tout le monde. Karim Naïtou Slimane. Ben écoutez, en Algérie, je vais reprendre la vieille histoire du roi qui est nu.
tout le monde le sait, tout le monde le voit, mais très peu de personnes en parlent. Le dernier qui en a parlé, c'était Ihsan Al-Qadi, avec qui je me solidarise. Absolument parce que pas, dans non, le, pas du tout. Dans l'empereur est nu ou le roi est nu, c'est un enfant qui parle l'innocence. Pas du tout, ouais. Mais en tout cas, lui, dans son acte, on peut retrouver cette innocence, c'est-à-dire cette innocence première de vouloir faire acte de journalisme sous un régime autoritaire. Il faut beaucoup. Rappelons qu'il est en prison, il a été mis en garde à vue, et Radio M a été fermé. Voilà, il faut du courage et il faut aussi une certaine honnêteté, une certaine innocence, en tout cas, dans la vision de son métier. Hein. Et donc, avec qui d'ailleurs je me solidarise totalement et inconditionnellement. Nous aussi. Voilà. Et donc, autrement, on sait très bien qu'il y a deux Algéries maintenant, les Algériens le savent. Il y a l'Algérie réelle, celle que vivent, dans laquelle vivotent les Algériens, dans la misère, dans la difficulté, dans la hogra. Oui. Et il y a une Algérie enchantée, magnifique, merveilleuse, qu'on visite une fois par jour à 20h. C'est l'Algérie du journal de 20h, de Tebboune. Mais c'est l'Algérie de la presse mercenaire, de façon générale. Voilà. De toute façon, on voit maintenant comment se fait, comment se construit le discours médiatique en Algérie. Vous avez l'idée principale qui est donnée par l'officier traitant du journal du 20h. Et puis la même idée, elle est sous-traitée, en cascade, déclinée en français, en avec dialecte, beaucoup de zèle parfois, et beaucoup pour ce de zèle qui est de la presse privée. Hein. Toute la presse privée, voilà. C'est ça. Alors, Brahim Younsi, très vite, je suis désolé, on l'a dit, mythomanie, pas mythomanie. Oui, bon, il y a, je ne suis pas psychiatre, mais selon toute vraisemblance, hélas. Quelqu'un oui, qui vous dit, l'Algérie peut produire, elle va produire 30 millions de tonnes de blé, l'équivalent du Canada. Et facilement. Facilement. Et on va servir. Oui. Et on va servir toute l'Afrique et le Maroc. On va servir. Depuis qu'il est là, nous savons que c'est un menteur compulsif. Oui. Donc il y a pathologie. Il y a pathologie. Oui. Moi, j'ai l'impression que cet homme vit dans un monde fictif, dans un monde parallèle. On a tous cette... Peut-être que c'est parce qu'il est dans le déni. Comme c'est un ancien haut fonctionnaire, il connaît la réalité des choses. Ça veut dire qu'il sait qu'il ne va pas s'en sortir. Peut-être qu'il est en train de se mentir à lui-même. Oui, mais on lui ment ou il se ment de lui-même. Mais dans les deux cas, c'est extrêmement grave pour quelqu'un qui a un État et un peuple à gérer et à nourrir. C'est extrêmement, extrêmement grave. Sur Qadi Hussein, Idir va en parler mieux que moi, il n'y a pas que l'homme. J'allais dire, il y a l'institution. Là, on ne s'attaque pas seulement à un homme, on s'attaque à un homme, mais on s'attaque à un organe d'expression. C'est la liberté d'expression parce que cette radio, qu'on soit d'accord avec elle ou pas, a acquis une certaine liberté d'expression. Et on l'étouffe parce qu'elle a cette liberté d'expression pour laquelle elle a payé le prix. Et comme vous l'aviez dit tout à l'heure, plus que de l'étouffer, ils l'ont calomnié, l'accusant de financement extérieur, alors que ce sont des financements légaux. Et ça, c'est le plus abject ou la plus abject des diffamations. Concernant M. Tebboune, non, je pense que... Je ne dirais même pas qu'il est dans une espèce de mythomanie. Le mythomane, en règle générale, c'est le monsieur qui ment, mais qui vit son mensonge, donc qui est complètement décalé. Je dirais qu'il n'a tout simplement pas les compétences d'un chef d'État et d'un président de la République, au-delà de son manque de légitimité. Il n'a pas les compétences nécessaires. On ne peut pas dire, vous avez vu ce qu'il dit au secrétaire d'État américain. Oui. C'est pour ça. Moi, j'aurais aimé voir le chef de l'État recevoir Blinken et dire vous avez rencontré mon ministre des Affaires étrangères, quelles informations supplémentaires ou quelles sont vos interrogations ou qu'est-ce que je peux lever comme incompréhension, avoir une vision. C'est un secrétaire d'État, vous lui parlez de céréales. On n'importe pas beaucoup de céréales, on importe d'Ukraine et surtout de France. Donc peu importe. Donc moi, pour moi, je ne commente même plus. Pour Al-Qadi Hussein, évidemment, il y a une affaire dans l'affaire. Il y a l'arrestation du journaliste au même titre que tous les journalistes qui ont été en prison, dont Mouloud Mohamed, dont Karesh, dont Hassan Bourras, et dont un est décédé dans une institution régalienne de l'État, même si c'est une institution punitive, Talmat.
Tamelt. Mais là, le plus grave dans l'affaire, et je m'excuse pour la famille de Qadi Hassan, pour qui je témoigne toute ma solidarité, et on fera quelque chose ici en France pour essayer de mettre les pressions nécessaires, c'est qu'on a fermé un organe de presse. C'est un organe de presse. Et qu'on l'a calomnié en plus. On l'a calomnié pour ces histoires de subventions. Il y a des subventions légales fournies par la Commission européenne et qui sont à la disposition de tous les jeunes ou moins jeunes entrepreneurs qui travailleraient dans tel ou tel ou tel secteur d'activité. Et complètement transparent. Ouais, donc, sans compter ceux qui ont pris des actions dans son média, j'en connais deux au moins. Donc, je trouve ça anormal et je trouve ça scandaleux. Alors, mes chers amis, l'émission est terminée. Merci beaucoup. J'aimerais juste remercier nos téléspectateurs. Je viens d'animer pour eux et vous, avec moi, ma dernière émission. Je n'animerai plus d'émission à partir d'aujourd'hui. Je vais peut-être continuer une petite collaboration avec El Maghribi depuis chez moi, en faisant peut-être, je laisse le conditionnel, l'édito quotidien. Sinon, merci de m'avoir accompagné pendant ces 9 années à El Maghribiya. Merci pour votre gentillesse. J'aimerais remercier mes amis qui sont là aujourd'hui avec moi, mais aussi tous les amis dont je ne nommerai personne pour n'oublier personne, qui m'ont accompagné au cours de ces 9 années. Je ne sais pas si j'ai réussi, en tout cas j'ai vraiment essayé de servir le journalisme et la vérité du mieux que j'ai pu. Je ne sais pas si j'ai réussi, vous me le ferez savoir. Peut-être dernier tour de micro pour nous dire au revoir, même si on reste des amis dans la vraie vie. Oui, oui. En tout cas, vous avez incarné cette chaîne. Ah, c'est gentil. Et une bonne partie, d'ailleurs, le peuple algérien a crié. Je crois que c'est encore, s'il ne le dit pas, je crois que ça reste dans son cœur, que cette chaîne reste la chaîne du peuple. Et vous avez très largement contribué à cela. Merci. Et vous êtes un de ceux qui ont ouvert, il faut le dire, cette chaîne à d'autres sensibilités. Et c'est très bien ainsi. Il faut continuer. Merci beaucoup, Ibrahim. Ça me va droit au cœur. Karim. Comme nos amis, et je pense que comme tous les téléspectateurs et téléspectatrices, déjà, je vous remercie. Merci. Jamel, mon frère aîné. Merci beaucoup. Vous êtes vraiment un exemple dans la droiture professionnelle. J'en connais vraiment beaucoup dans cette question, mais j'ai envie vraiment de dire un mot par rapport à ça. C'est-à-dire que vous êtes su rester intellectuellement très honnête. Merci. En tout cas, pour les années, depuis le temps que je suis invité, avec beaucoup d'honneur, je suis vraiment honoré d'avoir été votre invité pendant toutes ces années-là. Mais surtout, je témoigne d'une chose que nous échangeons dans les coulisses avec la même honnêteté et la même droiture avec laquelle nous échangeons comme ça, en direct avec le public. Et surtout, surtout, il y a une chose essentielle, et c'est pour ça, à mon avis, c'est l'une des qualités qui font que vous êtes très apprécié par votre public, c'est que vous faites dans la qualité, alors que malheureusement, notre pays, malheureusement, coule sous le poids de la médiocrité. Merci. Et j'espère vraiment, vraiment, j'espère vous revoir dans d'autres émissions, dans d'autres choses. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui me rassure, et je termine. Je pense qu'un militant et un homme honnête ne s'arrêtent jamais de défendre ses principes. C'est sur ça beaucoup. Que je compte. Merci. 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 Idir, bah oui. Voilà le clap de fin, tel que vous l'avez fait. Je vais me permettre de vous tutoyer, comme je le fais en privé. Dans la vraie vie. Oui, dans la vraie vie. J'ai l'habitude de toujours vous voyez. Ah ben, quoi te dire, Jamel, j'ai été fier. Je vous remercie la Providence de m'avoir fait te croiser. Merci. Nous avons eu des échanges, politiques, échanges. Wow. Oh, c'est le plaisir vraiment partagé. Et je partage la vie, évidemment, de Brahim et de Karim te concernant. C'est vrai qu'il faut insister sur ta rectitude morale, ta rectitude intellectuelle. Tu as ouvert le plateau à toutes les sensibilités. En ce qui me concerne, tu m'as pas mal malmené, à tel point qu'un jour, je disais à Brahim sur le plateau,
Brahim, je te prends à témoin, je suis d'accord. Voilà, j'ai repris, et j'ai repris le chemin inverse. Ah ben, bon, ah ben ce petit clap de fin, j'espère que ce ne sera pas le clap de fin. De toute façon, tu as assez de ressources pour essayer de retrouver ce que j'appellerai, moi, comme jeune homme de bohémien, retrouver le chemin peut-être ardu qui mène au toit du monde, là où tout est possible, tu le mérites vraiment. Merci beaucoup, Aidé. Juste une chose, moi je regrette une chose néanmoins, c'est que nous n'ayons pas pu, tout au long de ces années, de parler, en tout cas avec moi, de parler de la géopolitique régionale. Et qui sait, ça aura peut-être lieu. Voilà. C'est bon, en tout cas, surtout, c'est mon désir. Surtout, monsieur, le Sahara occidental. Absolument, oui. Maroc, c'est un clin d'œil que je fais. Ah ben là, si Dieu veut, on va pouvoir le faire. Oui. Moi, j'ai dit qu'il n'allait pas s'arrêter et je suis prêt à prendre les paris. Ah ben, super. En tout cas, mes chers amis, je suis très honoré de vous compter parmi mes amis, mes vrais amis. J'ai été heureux de collaborer avec vous, de vous connaître. Nous, dans la vraie vie, nous sommes des intimes. Avant de vous quitter, mes chers amis, sur un air de Mourad Fergani, je tiens vraiment à vous remercier beaucoup. Merci infiniment pour tout ce que vous m'avez manifesté de gentillesse et d'indulgence et de bienveillance. Qawal akhir bislama. خليوني مع حمامي كيف خدت عليك.